Bonsoir et bienvenue tout le monde à notre deuxième vernissage virtuel ici à la Galerie de Mystery. Je serai votre MC de la soirée et ce soir, on va célébrer les œuvres d'art de Fée, donc Guylaine Tremblay, son nom d'artiste, Fée. Et on met à la lumière, en vedette, 6 toiles. Alors, on va fêter le travail extraordinaire, le sublime de Fée ce soir. Avant de commencer, je tiens vraiment à souligner que la Galerie de Mystery sera ouverte au public la semaine prochaine. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour tous et toutes. Et aussi d'autres bonnes nouvelles, bien, on a des petites surprises qui vous attendent. Alors, comme nous entamons le mois d'amour, l'exposition de Fée s'intitule « Pour l'amour de l'art ». Alors, vous allez comprendre bientôt pourquoi on parle de l'amour de l'art. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter notre artiste vedette. Donc, j'ai rencontré Fée. C'est une exposition collective cet automne au 10-30. Donc, c'était vraiment extraordinaire. Quand j'ai passé devant son kiosque, j'ai fait « wow, ça sort de l'ordinaire ». C'est vraiment propre. J'ai pas vu de l'art comme ça. Donc, j'ai rentré tout de suite en communication. Je suis allée la voir et j'ai demandé si elle voulait participer un petit peu avec la galerie. Donc, je vous présente à l'instant même, Fée. Bonsoir, Fée. Oh, attends une petite minute. Faut bien que je l'entende. Comment ça va? Ça va bien, merci. Merci. Oui, ça va très, très bien. Écoute, je suis toute fébrile, je suis toute excitée, là. C'est fun. Mais on va jaser pas mal ensemble. Donc, avant de commencer le processus de l'entrevue et les présentations, j'aimerais jaser un petit peu, présenter aux gens notre chef d'orchestre qui est en coulisses présentement. Donc, je vous présente Gilbert Duquette. Et Fée, je sais que tu aimes ça, la musique jazz. Beaucoup, beaucoup. Oui. Mais moi, mon instrument favori a toujours été le saxophone. Et j'ai eu le plaisir d'avoir 2 garçons qui ont joué le saxophone pendant 5 ans secondaire. Wow. Dont un a fait le festival de jazz et c'est ça. J'ai été très gâtée de ce côté-là. Bien, on va te gâter encore ce soir parce que notre cher ami Gilbert Duquette, salut Gilbert! Salut! Va jouer avec nous ce soir. Il va accompagner l'étoile qu'on va présenter. Hey Gilbert, joue donc un petit solo vite pour le public. Mais avant, je voudrais te souhaiter bonne fête, puisque c'était ta fête cette semaine. Ben oui, merci beaucoup. C'est gentil. Ok, on va. Un petit peu de jazz. Merci beaucoup, Gilbert. C'est vraiment cool. Il y a plein de salutations. Oh, bonjour, bonne fête, merci. C'est celle-là que je vais montrer. Il y a des salutations. Comme vous voyez, et j'adresse la parole au public, vous pouvez interagir. Donc, c'est un vernissage virtuel, non seulement divertissant, mais aussi interactif. Donc, vous pouvez faire des petits commentaires, vous pouvez même poser les questions. Donc, je reviens à vous deux dans quelques instants. Gilbert, on se voit dans 10 minutes. Good! Alors, pour commencer la soirée, j'aimerais juste expliquer rapidement au public. Vous allez avoir beaucoup d'informations sur Facebook.
on fasse une entrevue, mais en première, en à peu près 4 parties, cette entrevue-là. Donc, avec chaque partie d'entrevue, il va y avoir des questions. Vous pouvez poser vos questions, faire les commentaires. Et ensuite, on va montrer des œuvres accompagnées de musique. Et avant chaque œuvre, vous allez voir le cartel qui indique le titre, les dimensions et le prix. Donc, il n'y aura pas de surprise. N'oublie pas, il ne faut pas oublier, ce soir, là, notre but, c'est de vendre des toiles. Alors, vous voyez les prix, on ne cache rien, tout est là pour vous. Et comme on va ouvrir au public, bien, oui, vous pouvez réserver en avance une toile pour être sûr de l'avoir, mais facilement venir la semaine prochaine pour en faire de l'acquisition. Donc, c'est un peu comme ça. Aussi, à la fin de l'émission, on va faire le coup de cœur du vernissage. Donc, ayez en main un petit crayon, papier, quelque chose pour noter votre coup de cœur de la soirée. Alors, fée, ma chère fée, ce soir, comment qu'on sent devant le public virtuel? Fébrile. Oui, hein? Fébrile, excitée, nerveuse en même temps. C'est quand même une première pour moi, puis je suis pas tout à fait à l'aise devant la caméra. Je suis beaucoup mieux dans mon atelier en train de travailler. Mais ça va. J'aime ça, c'est une belle nervosité. Bien, c'est ça, je l'ai dit, c'est un stress positif finalement. Tout à fait. Alors, on veut que les gens apprennent à te connaître un petit peu. On va faire quelques petites questions comme ça. Je voulais savoir, en premier lieu, si tu peux nous parler un peu de tes origines, ton background, comme on dit en anglais. Et qu'est-ce qui t'a influencé à vouloir devenir artiste? Premièrement, je suis une petite fille de Québec, mais je suis arrivée ici très jeune, j'avais 2 ans. Mais j'ai toujours baigné dans le domaine de l'art parce que mon père, premièrement, peint. On est complètement différents. On a 2 univers. Lui, c'est à l'huile, premièrement. Moi, c'est à l'acrylique, surtout. Et deuxièmement, mon père, c'est beaucoup plus les paysages, le concret. Mais par contre, c'est une personne, dès son très jeune âge, qui achetait des peintures. Alors, moi, j'étais installée peut-être à 3 ans, 4 ans, 5 ans. Je m'assoyais puis je regardais les peintures. Je m'imaginais dans la peinture. Alors, j'ai toujours eu un intérêt, ça m'a toujours passionnée. Et voir mon père peindre comme ça pour le plaisir, parce que c'est pas sa profession, il faisait ça pour le plaisir. Et à un moment donné, l'Université de Laval m'a invité à un vernissage. Et c'est là que ma passion a commencé, le vernissage de mon père. Wow. Je me suis rendue là ce soir-là, puis j'ai regardé le travail de tous les artistes. Et je suis arrivée à la maison, puis je veux faire. Alors, c'est à partir de ça, puis de fil en aiguille, les gens voulaient porter beaucoup d'intérêt, voulaient m'acheter tout ça, puis je me disais, mais non, je ne peux pas, là, je fais ça pour le plaisir. Et c'est là que je suis allée chercher la formation. Pendant 4 ans, je suis allée vraiment me perfectionner et j'ai changé ma technique de tout et tout. Et c'est vraiment mon professeur que la journée que je suis arrivée avec une toile que je voulais offrir aux 50 ans de ma soeur, aux 40 ans de ma soeur, désolée. Et je suis arrivée avec une toile tout simplement comme ça. J'avais une idée de faire un 3D, puis j'y ai présenté, puis elle a dit, mais c'est quoi ça? Là, j'ai fait... Et là, elle m'a dit, non, mais là, tu t'en vas chez toi, là, puis tu m'en fais une série, là. Tu fais que ça. Et jusque-là, j'étais pas persuadée parce que j'aimais beaucoup le concret, mais l'abstrait était naturel. Le concret me demandait beaucoup plus de technique, beaucoup plus de dessin. L'abstrait venait naturellement. Et c'est quand je me suis mis à appliquer pour des événements que j'envoyais les deux. J'envoyais mon concret, j'envoyais mon abstrait et on me choisissait toujours pour mon abstrait. Alors, à un moment donné, mon conjoint m'a dit, « C'est quand tu vas comprendre? C'est l'abstrait! » Là, j'ai fait, « Oui, mais c'est facile! » Mais tu sais, c'était facile pour moi.
mais parce que je crois que j'avais ça en moi. Tu sais, j'avais pas à réfléchir, puis quand je peins, justement, je suis pas là, je me perds, je suis dans mon monde, je peux peindre pendant 5 heures, puis pas savoir. Tu rentres dans ta bulle, finalement. Ben, c'est, moi, personnellement, je trouve que c'est une des caractéristiques d'un, on va dire, une vraie artiste, c'est quand on est capable de se perdre dans notre monde devant nous. Faye, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu. Tu as eu une expérience, un genre de mentorat. Il y a un mentor, ton idole. C'est qui au juste? C'est Bernard Séguin-Poirier, qui est un grand peintre. J'ai eu la chance d'aller dans sa galerie. Moi, qui est un peu timide et gênée, je ne parlais pas, mais c'est ma copine qui a dit « Hey, artiste! » Et il s'est ouvert à moi une ouverture incroyable. Il m'a rentré dans son atelier personnel. Il m'a offert un livre qui a dédié à moi, qui m'a signé. Et à partir de ce moment-là, il est devenu mon mentor. Oh, wow. C'est lui qui m'a aidée à aller à New York parce que moi, je n'y allais pas. À New York! Qu'est-ce que j'ai fait le Art Expo à New York. Puis là, il me disait applique. Puis j'étais comme non, je ne peux jamais accepter. C'est New York! Là, il était là applique. Alors, quand j'ai appliqué, puis j'ai eu la réponse positive, je l'ai appelé tout de suite. Puis j'ai dit hey, Bernard! Tu sais, je viens d'être accepté. Puis je suis pas surprise, tu sais. Puis c'est lui qui m'a dit là, tu y vas. J'ai dit oh non, je ne pense pas d'y aller. Puis là, il dit non. Tu y vas. Tu sais, c'est lui qui m'a emmené là. C'est lui qui m'a. Puis, tu sais, moi, je peux aller prendre un café avec lui et passer des heures et des heures. Malheureusement, depuis le COVID, on ne s'est pas revu. C'est dommage, mais tu sais, il est dans mon cœur pour toujours. Bien, c'est fun parce que ça en prend des gens qui nous soutiennent, qui nous donnent le petit vent dans nos ailes. Tu sais, on a confiance en soi. On sait qu'on est pas pire, mais. D'avoir quelqu'un autre qui nous dit un petit tap sur le pot, vas-y, c'est bon, mais c'est vraiment encourageant, là. C'est vraiment encourageant. Parlons-nous un petit peu maintenant de la médium. Tu parlais un peu que tu préfères l'abstrait. Quel médium que tu utilises quand tu peins? Vraiment, j'ai commencé avec l'acrylique. Pour moi, je suis une fille. Quand je veux faire quelque chose, il faut que les résultats. Tu sais, je ne peux pas attendre 4 jours que mon huile sèche. Tu sais, j'ai besoin que mon acrylique sèche, puis là, après ça, je vais en faire. Mais finalement, j'ai développé un médium de glacé que je dois attendre de 12 heures à 24 heures. Donc, finalement, je me suis retrouvée avec un médium qui prend plus de temps à sécher. Mais la beauté dans tout ça, c'est que je peux faire des superficies qui viennent me chercher beaucoup et que j'aime beaucoup. Alors, c'est ça, je travaille avec de l'encre. J'aime beaucoup l'encre. J'aime ce qu'elle apporte, le mystère qu'elle apporte à travers mon acrylique. Puis quand je les mélange ensemble, puis elle marche tout le temps avec des surprises. Puis des fois, je vais voir des choses comme le lendemain, puis je vais faire OK, mais là, je vais approfondir ça. Là, il y a ça dans ça. Là, puis là, je vais y aller, puis je vais approfondir. Comme d'autres fois, ça va être vraiment désiré. Tu sais, vu que j'ai commencé avec le concret, ben, quelquefois, j'inclus mon concret dans mon abstrait parce que ça reste que quelque chose que j'aime bien. Là. Mais sinon, c'est ça. Je fais mon abstrait, puis c'est l'acrylique, deuxième de glacé, encre, puis je m'amuse avec ça. J'ai vraiment essayé. Moi, essai-erreur, là, ça ne me fait pas peur. Puis, est-ce que tu utilises pinceau, spatule? J'utilise beaucoup la spatule. Le pinceau va être pour le concret, mais le reste, c'est la spatule. Une spatule en plastique que j'aime beaucoup utiliser, c'est comme mon gagarin. Je travaille beaucoup, beaucoup avec ça et mes doigts. Ah, oui! Ouais. Ben oui, il faut. Sentir, oui. Oui. Tu sens la toile, tu tripotes. Tout à fait. Oui, je vais travailler beaucoup, beaucoup là, parce que mes idées me viennent la nuit. Ça me réveille. J'ai un cahier de notes à côté de mon lit.
quand ça m'éveille, je prends des notes parce que j'oublie. Ou si je n'ai pas pensé parce que je trouve fatiguée de prendre des notes, là, je me rappelle un mot. Puis là, je suis comme diamant. Puis je ne sors plus, là, parce que je me le répète tellement souvent que je trouve aussi bien de le noter. Mais ça m'est arrivé plein de fois de me lever la nuit et venir dans mon atelier de travail à 2h, 3h du matin. Ça, là, c'est là que ça va tout seul. Donc, on a un auditeur qui dit « You feel the vibe ». Donc, même la nuit, tu sens la vibration de la création. Tellement. C'est phénoménal. C'est vraiment hot. Ben, en parlant de ça, pourquoi pas regarder une de tes toiles accompagnée de musique avec Gilbert? Qu'est-ce que tu en penses? Avec plaisir. Donc, la première toile, je vais juste te mettre en mute pour pas faire interférence. Juste pour expliquer un peu aux gens, la première toile qu'on va présenter ce soir va être accompagnée de musique avec Gilbert. Donc, la toile s'intitule Énigmatique. Et Gilbert, il a choisi, il m'a donné une liste de chansons, de musique, et j'ai choisi My Funny Valentine pour Énigmatique, pour des raisons assez quand même évidentes. Là, on va fêter le Saint-Valentin, ça fait un peu l'ouverture de notre événement pour l'amour de l'art. Alors, moi, je me mets en mute, je ferme mon micro. Je vais partager mon écran avec vous pour la première toile et je vais vous accompagner avec My Funny Valentine. Merci Gilbert. On a eu un petit problème technique, on n'a pas pu tout voir, la toile. Gilbert, on se voit dans quelques instants. Donc, si vous permettez, je vais vous montrer
énigmatique. Oups, excusez. Donc, c'est une toile qui est faite en vertical. Je vais mettre la photo un peu plus loin dans l'émission, que vous pouvez le voir en entier. Je suis vraiment déçue que ça n'a pas fonctionné. Ça, c'est ça la technologie. Hein? Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Mais en tout cas, on fait ce qu'on peut. Hein? On fait ce qu'on peut avec ça. Tout à fait. Donc, j'aimerais poursuivre un petit peu avec notre entrevue. Je veux savoir, tu sais, comme artiste, on est souvent appelé à créer ou à donner du temps, à faire du bénévolat. Je veux savoir, est-ce qu'il y a une œuvre caritative que tu préfères? As-tu un engagement communautaire quelque part dans ta vie? Oui, vraiment. Une fondation que je tiens à cœur depuis des années. C'est l'espoir des gouverneurs. L'espoir des gouverneurs. Donc, c'est une fondation. C'est une fondation qui vient à l'aide de centaines de personnes pour leur mieux-être, pour les enfants, pour améliorer le mieux-être des enfants gravement malades et leurs familles, évidemment. Cette fondation-là me touche personnellement parce qu'avec mon copain, on a 7 enfants. On est une famille reconstituée. Alors, puis parmi nos 7 enfants, ils sont tous en santé. On a 2 petits-enfants qui sont en santé. Alors, pour moi, les enfants ont une grande place dans ma vie. Et ceux qui sont malades, ben, ça vient me toucher profondément. Je suis avec la fondation depuis 2008. J'ai partagé beaucoup avec eux, que ce soit à travers mes toiles qu'on fait en encant à leur souper, que ce soit des événements, parce qu'ils sont très impliqués pour aller chercher le plus d'argent possible. Et cette année, à cause du COVID, ils n'ont pas pu faire leur grand souper annuel qui va chercher le gros morceau pour eux pour toute l'année. Alors, ils ont demandé au gouverneur, mon conjoint est gouverneur, moi je suis ambassadrice, de parrainer des familles. Oh. Alors, à ce moment-là, mon copain qui a, avec ses partners, Couverture Saint-Léonard, ont décidé d'embarquer parce qu'ils sont 3 gouverneurs et ils ont pris chacun une famille. Mais vu que, aussi, à son travail, c'est une grande famille, on a pris 3 enfants. Alors, ensemble, on parraine les 3 enfants. Mais c'est au-delà de donner de l'argent. Il faut ramasser 5 000 $ pour chaque famille. Mais au-delà de ça, c'est la proximité. Alors, c'est de rentrer en contact avec les familles, de leur parler de leur bien-être, de savoir comment ils vont, de vraiment aller en profondeur puis d'être là avec eux tout au long de l'année. Et après, ben, on s'est déjà lié d'amitié avec une famille en particulier. Les 3, on est très proches, on les adore, mais il y a une famille surtout qu'on s'est rapprochés. Puis, ça vient nous toucher, là, tu sais, quand il dit qu'aujourd'hui, il y a un traitement, il y a la leucémie, il y a un traitement, puis c'est difficile pour lui, puis en plus, on rajoute le COVID là-dessus, puis tout ça, donc on est là pour les supporter. La compagnie à mon conjoint avec ses partenaires, on a créé une bouteille de vin pour ramasser des fonds. Ils ont choisi une artiste, moi, pour faire l'étiquette. Alors, on a fait une étiquette avec les noms des 3 enfants qu'on parraine. Ah, wow! Est-ce que tu peux l'approcher plus à ton écran qu'on peut se voir? Attendez, c'est bon. Oui. Ah, il y a des ailes d'ange. Ah, oh, c'est oui. Bien beau, ça. Wow! Avec les noms des 3 enfants là, que vous parrainez. Oui. Oh,
Excuse-moi, ma lumière vient d'éteindre. Quand on parle de live, hein, c'est ça qui arrive. C'est ça. Ça ne sera pas long. Ben, c'est des choses qui arrivent. Il n'y a pas de problème, même. C'est ça. Il n'y a pas juste les outils technologiques. Des fois, on peut avoir un tempête puis l'électricité part. Il y a comme un moniteur sur. Puis bon. C'est bon. Le jour, je n'ai pas de problème parce que j'ai une porte toute vitrée, mais le soir, c'est un peu plus compliqué. OK, oui. Alors. Écoute, pour. Oui, c'est ça. Geneviève, elle nous dit les joies de live. Oui. C'est ça. En effet. En effet. Ben, écoute, on va regarder une autre vidéo. On va écouter Gilbert avec une autre chanson. La vidéo, c'est sur la toile L'Ange 2. Donc, je suppose que c'est le deuxième ange d'une série. C'est l'ange qui est derrière moi, finalement. C'est cette toile-là qui est derrière moi. Et Gilbert, pour des raisons très évidentes, va jouer la musique, la chanson « Every Breath You Take ». Donc, on va faire un... Merci Gilbert. Alors, c'était Ange 2 avec Every Breath You Take. Pour la prochaine section, la présentation, on a des invités spéciaux qui sont en coulisses, mais avant de les présenter, je vais prendre quelques petites minutes pour jaser un peu du Saint-Valentin. Alors, Faye, quand on s'est rencontrés il y a quelques mois, tu m'avais mentionné ton grand amour pour le chocolat. Oui. Et tu m'avais même dit que tu avais un projet de rêve. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu de ton projet de rêve? Oui, c'est grâce à toi
que ça s'est réalisé. Moi, je suis une choco addict. Tous ceux qui me connaissent le savent. Je ne peux pas passer devant une chocolaterie sans arrêter. C'est impossible. Là. Il faut que je les essaye toutes. Il faut que je les découvre toutes. Puis, bon, là, je dois faire attention. Mais à l'époque, je mangeais entre 3 et 4 palettes de chocolat par jour. Je me nourrissais de chocolat. J'ai toujours adoré le chocolat. Et quand je me suis, quand j'ai commencé à peindre, un de mes rêves était de retrouver mes toiles sur des chocolats. Parce que qu'est-ce qui est plus beau que ma passion qui se mélange à une autre passion? Alors, et grâce à toi, tu m'as demandé de faire un événement à la Saint-Valentin et on avait choisi Choco Porto comme événement, mais malheureusement, avec le COVID, on n'a pas pu. Mais, de fil en aiguille, c'est ça. Tu m'as présenté les chocolatiers FG qui sont tes voisins ouais. De galerie. Oui, oui. Ouais. Écoute ça, là. FG. Ouais. Frédéric et Geneviève. Mm-hmm. Puis là, ce soir, j'ai Fay et Gilbert. Donc, pour moi, là, le FG, ça fait partie de ses destinées. C'est le destin, là, il fallait avoir Fay, Gilbert, Frédéric et Geneviève dans la même émission. Et Guylaine, parce que mon prénom, c'est Guylaine. Oui, oui, oui. FG aussi. Mais écoute, on va parler de diapo. On va faire le diapo après parce que notre cher ami Fred, il est en coulisses avec nous. Il est là. Salut, Fred! On n'entend pas. Attends un peu. Bon, là, je vais juste... Vous m'entendez, là? Ouais. Allô, je vous présente Frédéric et Geneviève, tout le monde, de FG Chocolatier. Salut, salut! Bonjour, bonjour. En forme ce soir? Ben oui, il faut. Hey, merci pour avoir pris quelques temps. Je sais que vous êtes très occupés. Vous avez, ça roule dans la boutique de Stincy, mais est-ce que vous pouvez parler un petit peu de votre collaboration avec Fay? Ben d'abord, c'est grâce à toi. qui nous a parlé du projet de que Fay. Pour nous, c'est un honneur de travailler avec elle pour ce beau projet-là, un projet artistique dans tous les sens, puis en plus, ben, qui permettra d'aider une fondation avec cet événement-là. Mais c'est quelque chose de vraiment génial de mélanger les deux types d'art, le chocolat et la peinture que Fay fait. Donc, ça, c'est très proche un de l'autre. C'est fun. Moi, je trouve ça bien fun parce que c'est vous, les chocolatiers, vous faites de l'art culinaire. Et Fred est un artiste. C'est incroyable les choses que tu produis. Là, ben, vous produisez ensemble. C'est vraiment sublime ce que vous faites. Et d'avoir accepté un projet à jumeler avec un autre artiste, je trouve ça très généreux de votre part d'avoir accepté. Ah, ben c'est la moindre des choses. Ça allait de soi. Oui, ça va tellement bien ensemble. C'est un mélange parfait pas juste pour cet événement-là, mais probablement pour d'autres événements aussi dans le futur, oui. Oh! On devrait continuer à travailler ensemble. Ah, wow! Ben là, mon cœur est doublement réchauffé. C'est vraiment phénoménal. Merci d'avoir collaboré, d'avoir été présent avec nous ce soir. On va en jaser un peu plus. Comment commander? Je vais mettre en évidence votre carte d'affaires, votre adresse, numéro de téléphone, etc. Puis on va essayer d'en vendre. Je vous le souhaite. On a déjà quand même beaucoup de vendus. Fay a déjà fait un beau travail. De notre part aussi, ça vend de plus en plus. Là, avec la réouverture
la semaine prochaine, ben, c'est sûr que ça va avoir un plus grand impact quand les gens vont rentrer dans la boutique. On va vraiment les présenter. Et expliquer le projet. Ça veut dire, ça va prendre plus d'ampleur. C'est certain là, que juste les voir un peu sur notre boutique en ligne, c'est moins évident, là, mais on disait à la fille hier, quand elle est venue chercher sa commande, que nos employés les emballaient hier, puis là, en fait, on déballait chaque boîte une à une pour les remplir de chocolat, puis elle découvrait chacun des designs qui sont uniques, là, dans le fond, là, c'était 120 boîtes qu'on a fait hier, puis c'était 120 boîtes différentes, puis on voyait toutes des images différentes à travers chacune des boîtes, là, on a bien hâte de les présenter à nos clients en boutique, c'est certain. Je veux juste préciser, c'est un peu, je vais faire un petit mute. Je vais faire un petit mute, il y a trop de micro. Là, si je comprends bien, Faye a décoré 400 boîtes et chacun des boîtes a 6 chocolats à l'intérieur. Donc, on fait la mathématique, ça en fait du chocolat à produire. En effet. Wow. Ben, il y a autant de travail de ce côté-là qu'il y a eu de travail pour faire à les peindre chacune d'elles avec à peu près 3 couleurs à chaque design fait. C'est la boîte le design est quand même assez complet sur chacune des boîtes. Là. C'était certainement beaucoup de travail pour elle aussi. Mais écoute, je vous remercie d'avoir été avec nous ce soir. Je vous laisse au retour de votre travail et au plaisir de se voir la semaine prochaine. Je vais aller cogner à votre porte. Oui, certainement. Merci pour l'invitation. J'ai une commande à passer. Ça m'a fait plaisir. Je vous embrasse. Merci. À bientôt. Bonne soirée à vous. Bye. Merci. Bye-bye. Alors, Frédéric et Geneviève de FG Chocolatier, c'est du monde exceptionnel. C'est du monde, vraiment du monde de cœur. Et j'ai envie de montrer ça au public, de quoi qu'on parle, les boîtes, le chocolat. Oui, c'est ça, t'en as une là. Oui, j'en ai une ici. Alors là, c'est une création parmi plusieurs. Je suis restée dans la thématique de ce soir, le noir, gold et blanc. Et quand on ouvre la boîte, ben, c'est mes créations qui sont reproduites sur les chocolats. Alors, le noir et le gold, ceux de couleur et celui de silver. Et on a 6 saveurs différentes. Et chaque coffret se vend 25 $ taxes comprises et 2 $ va à ma fondation, la Fondation de l'espoir des gouverneurs. Alors, c'est en même temps, on réunit trois organismes, si on peut dire, comme ça. Alors, puis en plus, ben, c'est panier bleu. Alors, on encourage le Québec. Oui, mais j'ai envie de montrer la diapositive. Tu pourras commenter en même temps parce que j'ai préparé pour que les gens puissent voir un peu qu'est-ce que ça a de l'air. Alors, on va regarder ça. Tu pourras commenter en même temps. Oui. Donc, j'ai indiqué, et pour le Saint-Valentin, offrir un cadeau de chocolat. Alors, vous avez rencontré nos collaborateurs, les FG Chocolatiers. Donc, vous voyez ici leur adresse, numéro de téléphone. Ils sont sur Facebook aussi. Donc, il y a leur page Facebook indiquée dans cette diapo. Donc, ici, la Fondation des gouverneurs de l'espoir, la fondation qui nous accueille depuis des années. Alors, pour moi, je ne voulais pas juste faire une association, je voulais aussi aider les familles qui sont malades. Alors, pour moi, c'est important et souvent, quand je fais un événement, ben, ils font partie de moi intégralement. Alors, pourquoi qu'ils sont là? Alors, c'est en effet, on fait un don de 2 $ par boîte vendue à la fondation. Oui. Donc, ça fait partie d'un rêve, comme on a dit, un rêve artiste peintre impliqué. Mm-hmm. On a parlé de la naissance de l'idée. Et ici, on voit une des boîtes parmi 400. Et oui. C'est quelque chose. Là, tu as fait une production de boîtes noires, de boîtes blanches. Mais 400 boîtes, fait?
Puis j'en ai fait un peu plus parce que j'avais peur d'en manquer. Alors, chez moi, j'en ai un autre 200 qui attend, là. Wow! Ouais. Alors, mais écoute, je travaillais matin, soir. Mais c'est un beau projet. Ouais, j'avais vraiment deux tables, là. Puis là, comme vous voyez une table ici, là, puis là, j'en mettais 40 sur une table. Et je partais, là, je faisais ma couleur noire sur chacune, après ça, ma couleur blanche, après ça. Puis à la fin, je prenais ma spatule et j'allais travailler ce que je voulais travailler. Alors, ça a été mon processus pour les voir. De création. Puis on voit très bien, ce qui est fun avec ce produit-là, là, c'est que ces boîtes-là sont réutilisables. Tout à fait. On peut les utiliser par la suite pour... mettre nos bijoux à l'intérieur, peu importe là, tout ce qui est précieux pour nous. Parce que, puis, c'est une création unique. Alors, à ce moment-là, il n'y en a pas d'autre. C'est exactement ça. Tu sais, on peut conserver, comme mon mari a dit, les lettres d'amour à l'intérieur. Il est trop romantique, cet homme-là. Nos petits trésors. Puis, on peut aussi redonner à quelqu'un ce cadeau-là, avec un petit cadeau à l'intérieur, là, c'est une boîte décorative. Ben oui, c'est extraordinaire, c'est une très bonne idée. Donc ici, on voit, tu avais fait des boîtes noires, des boîtes blanches. On voit la sélection des chocolats avec les saveurs. Est-ce que c'est toi qui as choisi les saveurs ou si c'est les chocolatiers? Oui, ce que j'ai fait, ça a été dur de faire ça, là. J'ai fait un de chaque, là, puis là, je goûte. Ouvre-toi! Et ben, je suis allée avec mes coups de cœur. Veux pas, je prenais des numéros. OK, 1. OK, 1.2. OK, 1A. Parce qu'ils étaient tous des 1, là. J'étais mes coups. C'est tellement bon ce qu'ils font. Oui, c'est ça. Mais bon, à un moment donné, il fallait que je fasse un choix. Je pense que parmi 36 chocolats, il fallait que j'en choisisse 6. Alors, j'ai impliqué ma famille. Alors, j'en ai acheté, puis on coupait en quatre, puis je faisais goûter à tout le monde, puis on s'amusait de savoir, OK, c'est quoi ton top 1, c'est quoi ton top 1, puis c'est ça, ça finit avec cette sélection-là, qui sont tous incroyables. Oui, délicieux. Donc, je répète qu'il y a un montant qui va être donné à la Fondation des gouverneurs de l'espoir. Quel beau cadeau! Alors, vous pouvez commander vos boîtes de chocolat par FG Chocolatier, par la galerie de Mystery. Je prends des commandes aussi, puis je traverse le stationnement, puis je vais voir mes voisins. On voit un petit peu ici, dans un share screen, la production là, des chocolats de Fred, puis c'est quelque chose des deux côtés. Alors, c'est une belle activité, là. Est-ce que je peux me permettre quelque chose? Bien sûr! J'aimerais, c'est une surprise que j'ai ce soir, c'est même pas au courant, je t'en ai pas parlé. J'aimerais offrir une boîte au hasard. Je ne sais pas si tu serais prête à faire un petit concours parmi toute ta clientèle. Puis on pigerait comme cadeau de Saint-Valentin et j'en offre une à ta clientèle. Ah, sweet! Mais sais-tu, on pourra peut-être faire ça avec ceux qui vont participer au coup de cœur, le sondage au coup de cœur? Oui, bonne idée. On peut faire ça là, puis on tirera la boîte dimanche. Oui. Ah bon, il y en a qui disent oui, je veux. OK, c'est vendu. Hey, merci beaucoup, Faye. C'est un bel geste. Ça fait plaisir. Une belle collaboration. C'est incroyable. Écoute, il y a des affaires là, qui arrivent dans le monde comme ça, qui montre comment on est passionné pour ce qu'on fait, le partage de soi dans toutes les formes et qu'on vient solidifier des liens ensemble, c'est vraiment phénoménal. J'ai envie de vous montrer une prochaine toile, une petite toile, qui s'appelle Nouvelle Ère, et on va jaser avec Faye par la suite des techniques mixtes. J'ose espérer que celle-là va bien fonctionner. Faye, je t'invite à commenter celle-là, parce qu'il n'y aura pas de musique. Donc, c'est Nouvelle Ère.
la toile. Nouvelle heure, c'est une toute petite, c'est la plus petite. C'est 16 par 20 comme dimension. Et il n'y a pas juste l'acrylique dans cette toile-là. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de la technique mixte utilisée? Oui, tout à fait. Ben, j'ai utilisé des feuilles d'or 24 carats à l'intérieur. Alors, tout ce qu'on retrouve au niveau du gold, c'est vraiment des feuilles 24 carats. Et le reste, c'est tous des petits morceaux de paillettes, si on peut dire, que j'ai mélangé avec mon acrylique et mon médium de glacé. Souvent, j'aime beaucoup travailler avec des textures, tout ce qui est... Je suis une fille, alors tout ce qui est brillant m'attire et ce côté perlé-là m'attirait beaucoup. Alors, je me suis amusée à mélanger et à créer cette nouvelle ère-là. Pour moi, elle représentait un peu la terre, l'univers, avec le gold un peu soleil, mélanger tout ça. Alors, voilà. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Puis, on se perd quand on regarde ces toiles-là. On se perd à l'intérieur. Puis oui, le petit feuille d'or vient nous chercher l'œil. C'est stratégique. Hein? On voit ça aussi avec l'ange 2. Il y a de la feuille d'or aussi qui est appliquée. On applique ça quand, là, une technique mixte? À la fin complètement pour les feuilles d'or. C'est vraiment la dernière, okay. Qu'on fait avant le vernis, évidemment. Puis on l'applique où qui nous semble pour nous, à nos yeux, de la meilleure place qui pourrait donner l'élément vraiment qui va briller le plus. Excuse-moi, je prends la note. 4 boîtes. Hein? Merci Michel. J'ai pris en note. Alors, c'est super. Écoute, il y en a une autre toile qui est juste derrière moi aussi, celle-là, qui avec un fond noir aussi, qui est un technique mixte. Et je vais demander à Gilbert de jouer Stormy Weather en même temps que je vais montrer la toile en vidéoclip. Alors, Stormy Weather. Allô, Gilbert! Allô! Ça va bien? Thank you.
Donc, Gilbert, je ne sais pas si tu as vu ça, mais il y en a qui trouvent sexy pas mal, hein? Ah oui! Ils m'ont pas vu live! Je veux juste ajouter un petit mot. Oui. C'est Pierre qui travaille avec Fred à la chocolaterie. C'était une de mes élèves en musique. Ah ben! Le monde est petit. Le monde est petit! Donc, on va avancer parce que l'heure avance. As-tu vu ça? Ça avance vite. On se voit dans une petite minute parce que, Gilbert, on a une autre toile à écouter, à voir écouter dans à peu près 2 minutes. Pas de problème. Donc, oui, l'heure avance. Ça va rapidement. Oui. C'est fun. C'est divertissant pour moi aussi. Écoute, j'aimerais qu'on parle un peu de tes produits dérivés. Oui, oui. C'est un gros coup de pied que j'approfondis beaucoup dans mon art. Je travaille avec un cube de verre que je peins à 3 façons. Alors, vraiment, il y a toutes les facettes qu'on peut voir. Et c'est vraiment très, très, très lourd, très pesant. Mais c'est superbe. C'est beau pour un bureau, c'est beau partout finalement. J'ai également mes plexiglas que je travaille. Oui, là, c'est une photo. Et sur mes plexiglas, ben, on peut, si on veut rajouter de la fantaisie pour un enfant, rajouter un petit plexi bleu qu'on peut rajouter ou un plexi rose. Alors, ça fait changement, c'est bien pour les chambres d'enfants, c'est bien ben, pour tout le monde, finalement. Alors, voilà. Donc, beaucoup de talent, c'est remarquable, là, les différents effets qu'on peut voir. Je vois beaucoup, beaucoup de réactions. Oui, il y a du 3D, mais je vois beaucoup de réactions dans le médium de tes toiles. On n'a pas jasé de réaction, mais vous allez en avoir une prochaine. Il y a beaucoup de réactions, c'est ça. Je trouve ça cool, vraiment, vraiment bien réussi, là, l'étoile. On va aller avec, en passant, j'ai oublié de dire, là, des cubes, des plexis. Ça aussi, ça peut faire des beaux cadeaux de Saint-Valentin. Oui. Ceux qui ne peuvent pas manger de chocolat. Il y en a qui n'ont pas de doigts ou ne peuvent pas. Mais un beau petit cadeau comme ça, là, d'un cube qui tourne avec différentes images et ou le plexi aussi. Très intéressant. Là, je vous présente une petite toile. Une petite toile de 36 par 48 qui s'appelle Amaryllis. Avec la musique, Gilbert, là, c'est sexy, là. Attendez-vous, attachez-vous, là, puis attachez vos mains ensemble, là, pour pas trop toucher la personne à côté de vous, là, parce que là, c'est la chanson le plus sexy sur terre, Harlan Nocturne, avec Amaryllis de Faye. OK. Thank you.
Merci Gilbert. Yes. Il y en reste une. On se revoit dans 2-3 minutes. Il n'y a pas de problème. OK. Wow, hein? Ça c'est sexy. Tellement. C'est vraiment sexy. Et entre-temps, j'ai pris encore des commandes. C'est fun, on a plusieurs. Oh. Oui, 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 c'est fun. Ça va bien, ça va bien. Je vais vous montrer un peu le making of. Donc, Yann, toi, tu peux commenter parce qu'il n'y a pas de son. Il y a une toile, la toile qu'on vient de voir justement. On va regarder « The Making of Amaryllis ». Oui. Cette toile-là, premièrement, m'est venue durant la nuit de faire un visage de femme avec, au lieu des yeux, le papillon. Pour la renaissance, pour la métamorphose, pour tout ce qui est le côté féminin qu'on passe à un autre niveau. Et j'ai commencé avec le papillon que j'ai laissé travailler. Puis je suis revenue seulement le lendemain pour recontinuer. C'est spécial parce que celui-là, j'ai travaillé avec des petits bâtons en bois. Ah. Comme à la maternelle, là, on travaille avec des petits bâtons qu'on connaît. Là. Mais j'ai travaillé vraiment mes contours pour mes cheveux tressés avec ce petit bâton-là. C'est ça, des fois, on trouve des choses à portée de la main, puis on le prend, puis on y va. On l'essaye, ça fonctionne, mais pourquoi pas? Alors, ma spatule n'était pas assez large pour faire les lignes que je voulais. Alors, tu sais, j'avais besoin de quelque chose un peu plus large, puis je ne trouvais pas. Puis là, j'ai fait comme, ah, tiens, un petit bâton d'école. Puis, ben, en ayant des enfants, ben, j'ai apporté la main. Je vais être obligée de diffuser, je pense que je vais diffuser un peu plus tard la série de vidéos parce que pour une raison ou une autre, ce soir, la connexion avec les vidéos, c'est pas extraordinaire. Excuse-moi si j'utilise le mot extraordinaire encore, mais dans ce temps-là, c'est pas extraordinaire. Je m'en excuse pour les problèmes techniques. J'aurais aimé ça le montrer parce que c'est vraiment fun de le voir en action. Donc, je te promets, je vais quand même le mettre sur la page Facebook avec les autres mini-vidéoclips. Il nous reste une dernière petite vidéo à voir avec musique. Donc, pour s'amuser, Gilbert va nous jouer le tune « Feel Like Making Love ». Puis, on va regarder le clip de Snoopy. Le clip de Snoopy. Alors, on se voit dans une petite minute, Faye. Oui. Thank you.
Merci Gilbert, merci. On se voit à la fin de l'émission dans 2-3 minutes. Good. Merci à fait. Alors, je vais revenir avec Faye quelques minutes. Faye, on va faire un vote de coup de cœur pour l'étoile. Donc, les gens vont aller sur le Facebook et voter. Je vais montrer un peu le formulaire qu'on va utiliser pour ça. Et pour les gens qui ont voté un coup de cœur, on va mettre leur nom dans un boîte. En tout cas, je vais en prendre note qui a voté et on va tirer la boîte de chocolat. Alors, vous voyez, il va y avoir cette formulaire-là qui va être ce soir. Je vais la placer sur la page Facebook de la Galerie de Miss Ray. Et on voit, vous votez une fois, hein, c'est votre coup de cœur, soit l'énigmatique, l'ange 2, Nouvelle ère, collection miroir 1, Amaryllis ou le Snoopy. Et moi, je vais pouvoir ramasser les résultats et je vais diffuser la toile gagnante dimanche soir à 17h avant le Super Bowl. Donc, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison de ne pas voter. Ça va être diffusé avant le Super Bowl. Et la toile gagnante sera sur la page Les coups de cœur de la Galerie de Mystery sur notre site web. Donc, on a la page Facebook, bien entendu, et on a notre site web. Alors, vous allez pouvoir voir cette toile magnifique que le public a votée. Comment on sent? Bien! Okay. On a réservé des boîtes. J'ai plusieurs boîtes de réservées, plusieurs boîtes de vendues. On a nos amis des chocolatiers qui envoient un petit message aussi. Sont tellement sont phénoménales, ces gens. Oui, ces gens-là. Alors, je tiens à les remercier encore une fois. Écoute, on arrive. À la fin de notre événement, on a dépassé même de 5 minutes. On aurait pu continuer, je pense, mais... Je pense que oui, on avait encore beaucoup à parler. Mais c'est ça qui est fun, un vernissage. On parle, on écoute la musique, on jase les choses, on regarde, on observe et... Oui! On vend. Alors, je tiens à répéter qu'on est ouvert la semaine prochaine. Les gens vont pouvoir faire des acquisitions. Et pour chaque acquisition vendue, chaque toile vendue pour le mois de février, la Galerie de Miss Ray vous offre un calendrier, un cadeau, un calendrier 2021 à partir des œuvres qui ont été faites de Jeannine Michaud, donc le cœur et âme de la galerie. Vous allez recevoir un cadeau. Une belle calendrier 2021 avec chaque achat. Alors, je vous laisse avec ça. Merci, Faye. Merci à toi. Merci de m'avoir reçu. Un grand plaisir. C'était extraordinaire. Ben, je suis contente d'avoir aimé ton expérience. Puis, on se tient au courant. Je te donne signe de vie très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir participé à la soirée. Merci, Faye. À la prochaine. À la prochaine. Donc, Faye Guylaine Tremblay, Faye, l'artiste Faye, qui nous a montré ses toiles extraordinaires ici à la Galerie de Miss Ray. Vous pouvez venir les voir en personne la semaine prochaine, bien entendu. Donc, vous voyez, hein, c'est pas des petites toiles, c'est des belles grandes toiles qui sont pleines d'énergie positive, des belles réactions entre médiums
Pour l'amour de l'art, c'est le titre de l'exposition. On voit qu'il y a de l'art, les feuilles d'or, le peinture art. C'est une exposition qui va poursuivre jusqu'à la fin du mois de mars. Alors, sur ça, je vous remercie aussi au public d'avoir été présent pendant cette belle activité, cette belle vernissage virtuel. Merci à Gilbert, merci à Faye et merci au public d'avoir été avec nous. Alors, sur ça, je vous souhaite une très agréable fin de soirée et Gilbert, je tiens vraiment à te remercier. Tu étais un cœur, une soie. C'était sublime, la musique. Merci beaucoup. Bienvenue, ma chère. Et je te lance... ta musique de Mystery. Merci. Au plaisir. Au revoir tout le monde. Ciao. Ciao. Thank you.